Bonjour, chers élèves de CE1, deuxième année primaire. Je vous présente l'arbre Homo, qui est l'activité. Alors aujourd'hui, on va voir des exercices à corriger ensemble. D'accord? Allons-y. Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Alors, maintenant c'est la conjugaison. Ouvrez s'il vous plaît votre cahier d'activité là, page 7. Vous pouvez consulter votre manuel de français, page 14. Alors, conjugaison, le passé, le présent, le futur. Quand on parle de quelque chose qui est terminé, ça y est, c'est le passé. Par exemple, hier j'étais à l'école. Quand on parle de quelque chose qui est en train de se passer, c'est le présent. Par exemple, aujourd'hui je suis à l'école. Quand on parle de quelque chose qui va arriver plus tard, c'est le futur. Demain je serai à l'école. Alors, quand on parle de quelque chose, hein, qui est terminé. Ça y est, c'est déjà terminé. C'est quoi? C'est le passé. Parce qu'on a ici le mot hier. Quand on parle de quelque chose qui est en train de se passer maintenant, c'est le présent. Aujourd'hui, je suis à l'école. Quand on parle de quelque chose qui va arriver, c'est le futur. Demain, je serai à l'école. Je serai à l'école. Alors, des mots aident à dire le passé, le présent, le futur. Par exemple, passé, hier, autrefois, il y a longtemps. Le présent, aujourd'hui, en ce moment, maintenant. Le futur, demain, plus tard, bientôt. Le passé, hier, autrefois, il y a longtemps. Le présent, aujourd'hui, en ce moment, maintenant. Le futur, demain, plus tard, bientôt. Alors, on passe aux exercices. Voici les jours de la semaine, souligne en rouge le jour d'aujourd'hui, en vert tous les jours passés en bleu et les jours du futur. Bon, je vous laisse choisir selon le jour que vous consultez, bien sûr, que vous voyez, bien sûr, cette vidéo. Alors, observe les mots soulignés, puis relis avec la phrase de droite. C'est ça la phrase de droite, hein. C'est le passé, c'est le présent, c'est le futur. Qui convient. Par exemple, hier, nous avons fait une leçon de grammaire. Normalement, c'est le passé. En ce moment, nous terminons des exercices. C'est le présent. La semaine dernière, on a appris une poésie. C'est le passé toujours. Le mois prochain, on ira voir nos correspondants. C'est le futur. Maintenant, la maîtresse nous interroge. Il n'y a pas de maître ici. Maintenant, la maîtresse nous interroge. C'est le présent. Dans 2 jours, j'aurai fini de lire ce livre. Donc, c'est le futur. Alors, hier veut dire le passé. En ce moment veut dire le présent. La semaine dernière, c'est le passé. Le mois prochain, c'est le futur. Maintenant, c'est le présent. Dans 2 jours, c'est le futur. Alors, on continue avec. Continuons toujours avec l'exercice 3. Complète chaque phrase avec l'expression qui convient. Nous avons regardé un documentaire sur les reptiles. Nous avons regardé. En classe, nous faisons des dessins. La maîtresse les affichera dans le couloir de l'école. Alors maintenant, exercice 4. Recopiez ces 4 phrases dans l'ordre où ils se déroulent. Passé, présent, futur. Aujourd'hui, je me sens mieux. Depuis une semaine, je n'étais pas bien. Demain, je retournerai à l'école. Hier, j'étais trop malade. Je ne suis pas allé à l'école. Alors, on dit depuis une semaine. Depuis une semaine, je n'étais pas bien. C'est ça la première. Depuis une semaine, je n'étais pas bien. Non, non, non. Depuis une semaine, je n'étais pas bien. Hier, j'étais trop malade, je ne suis pas allé à l'école. Aujourd'hui, je me sens mieux, demain, je retournerai à l'école. Je répète,
Je répète encore une fois, depuis une semaine, je n'étais pas bien, c'est 1. Hier, j'étais trop malade, je ne suis pas allé à l'école, c'est 2. Aujourd'hui, je me sens mieux, c'est 3. Et demain, je retournerai à l'école, c'est 4. Voilà, c'est tout pour le moment. À la prochaine vidéo. Thank you.